Quels que soient les climats, sous toutes les latitudes, il est possible de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en implantant des couverts végétaux. Cette semaine, cap sur les Antilles pour aller à la rencontre de Thierry Vilna, ingénieur réseau DEFI à la Chambre d'agriculture de la Martinique. Thierry, quelle est la particularité de cette parcelle de bananiers ? Alors, nous sommes sur une exploitation chez un producteur de bananes qui est membre du réseau sur le territoire de la commune du Robert, où il a décidé de mettre en place une plante de couverture qui va lui permettre de s'affranchir de les pulvérisations herbicides sur son exploitation. Quel est le couvert végétal implanté dans cette bananeraie ? Ici, il a une parcelle de Desmodium. Donc Desmodium, c'est une légumineuse qui est implantée par semis à la dose de 4 kg hectare. Donc soit on sème la plante de couverture avant la plantation, ou on fait la plantation et on sème par la suite. Voilà. Et bon, étant donné que c'est une plante de couverture qui prend du temps à quand même émerger, donc l'agriculteur doit faire un certain nombre d'opérations pour lutter contre les herbes indésirables qui vont lever spontanément dans la parcelle. Et comme il veut garder le bénéfice de la plante de couverture qu'il a mise en place, donc il va s'en occuper, il va passer à arracher toutes les herbes indésirables qu'il ne souhaite pas garder sur l'exploitation. Quels sont les avantages agronomiques de ce couvert ? Cette légumineuse a beaucoup, beaucoup d'avantages, donc notamment c'est sa résistance au piétinage, sa résistance au niveau du par manque d'eau, donc ça résiste très bien. Et puis, sa faculté de restituer l'azote au sol. Le producteur a-t-il pu réduire pour autant les applications d'herbicides ? Lorsqu'on veut effectivement garder une bananeraie relativement propre, un couvert végétal propre, il faut compter 4-5 passages herbicides. Et là, aujourd'hui, il ne fait zéro passage. Zéro passage parce que aujourd'hui le Desmodium est bien installé. Et étant bien installé, de temps en temps, il passe à arracher effectivement toutes les herbes indésirables qui pourraient avoir passé sous le couvert végétal. Et autre avantage aussi chez M. Nouvet, c'est qu'il y a une espèce qui est le caïa blanc, qui est une espèce naturelle qui pousse aussi, légumineuse, et il la favorise aussi son exploitation. Donc ce couvert végétal-là lui donne entièrement satisfaction. Mais cette technique se développe-t-elle beaucoup à la Martinique ? Ça commence à se développer, mais il faut justement, nous, à la Chambre d'agriculture, avec le réseau DEFI, nous organisons des journées techniques de démonstration. Et pour montrer effectivement à d'autres agriculteurs et à monsieur tout le monde la technique, comment ça se fait. Et l'agriculteur a la possibilité d'expliquer ses avantages, ses inconvénients. Merci Thierry. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.